YouTube, bande de losers, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, ça va vraiment super, les amis. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle, une vidéo sur Watch Dogs 2, les gars. Voilà, une vidéo vraiment que j'attendais vraiment beaucoup, les gars. Parce que, bon, Watch Dogs 1, il a déçu vraiment beaucoup de monde. Moi, le premier, étant donné que j'avais vu dans ce jeu vraiment beaucoup d'espoir. Comme un nouveau titre, une nouvelle licence vraiment exceptionnelle. Alors que là, il m'a complètement déçu. J'avais même précommandé l'édition collector. Alors que là, à l'époque, bon, bah, j'ai vraiment été déçu du jeu. Il était vraiment, on a eu beaucoup d'attentes. Enfin, on a espéré beaucoup de ce jeu, alors qu'on a été déçu. Donc là, aujourd'hui, j'ai quand même acheté le 2. Parce que je l'ai beaucoup suivi le 2, j'ai beaucoup suivi son avancement, son développement, etc. Toutes les news qui étaient portées par Ubisoft, je les ai suivies. Donc du coup, je me suis dit, bon, on va quand même l'acheter. Bon, j'ai eu l'édition Deluxe, comme je vous avais montré sur ma chaîne YouTube, pour pas très cher. Je me suis dit, allez, ça coûte rien, on va tester tout ça, etc. Bon, là, je suis vraiment au tout début du jeu. J'ai dû faire deux missions. Voilà. J'ai dû faire vraiment deux missions. La mission principale que je ne vais pas non plus vous spoiler. Pour ceux qui l'achèteront, vous allez découvrir par vous-même. Et j'ai dû faire une petite mission, on va dire, secondaire. En fait, je me suis retrouvé à poil après une nuit agitée avec une demoiselle. Donc, du coup, j'ai dû acheter des vêtements. Donc, du coup, là, on va devoir aller juste là-bas. 3762 mètres, donc à peu près 4 km à faire en voiture. Donc du coup, on va pouvoir au moins tester le niveau au niveau de la conduite, voir ce que ça donne, voilà, par rapport au premier, parce que le premier c'était vraiment une conduite en mousse. Voilà, c'était vraiment, on va dire, merdique, hein. Le Watch Dogs 1 était vraiment merdique. Je tiens à vous le dire, c'était vraiment de la merde. J'étais moi-même déçu d'avoir acheté. Je crois que l'édition, je l'ai acheté, je crois. Édition collector de la première, 100 euros, je crois. Et c'était vraiment de la merde pour 100 euros. Je vous le dis, moi, personnellement, ça m'a vraiment déçu. Il m'a vraiment déçu, ce jeu. Enfin, Watch Dogs 1 m'a vraiment déçu. Donc, du coup, bon, voilà. Toujours le même système. Voilà, avec le. Hop. Oh, là, j'ai volé de l'argent aux flics. Toujours un petit système. Ouais, on peut voler les citoyens, etc. Donc, là, on va non plus voler la voiture des gens. On va aller prendre la voiture qui est en face, qui est garée, hein. C'est bien parce qu'il y a pas mal de voitures qui sont garées un peu de partout. Alors en fait, du coup, maintenant, on n'a plus besoin, comme dans le premier, vous savez, de devoir connaître le type de véhicule, etc., pour pouvoir le voler, en fait. En fait, c'est déjà intégré au téléphone, parce que je me rappelle, dans le premier, il y avait un certain niveau de vol. En fait, il fallait découvrir certaines choses pour pouvoir voler les véhicules. Là, on peut tous les voler. Voilà, il n'y a plus ce système, on fait triangle rentre dedans, en fait il perd avec son téléphone, on va faire ça tout de suite, regardez. Hop, ça fait un peu comme à la GTA. Ah, donc voilà. Donc là, alors, tu vois, là, on se cache dans le véhicule, en mode PLS, tu vois. C'est vraiment pas mal ça, le véhicule en plus c'est vraiment sympa. Donc c'est parti les gars, on va aller où? Bon, les gars. Il y aura peut-être une petite coupure au niveau de la vidéo parce que j'ai une petite coupure d'internet. Donc du coup, ça m'a déco. Enfin, la console m'a dit ta gueule. Donc du coup, pour éviter que vous faire un truc tout dégueulasse. Voilà. Donc du coup, les gars, on va sortir notre téléphone. Hop. Je suis bien en pause. Ouais, je suis bien en pause. Et on va se commander un petit véhicule. Donc, regardez, gros cylindre. On n'a pas de véhicule. Non. Ah, il y a même des quoi dans les. Ah, il y en a une là. Hop, il est là-bas, notre véhicule. Hop, on va aller le chercher. Bon, attendu, il faut qu'il soit garé toujours un peu bien loin. Donc, désolé pour les petites coupures, les gars. On va quand même réussir. Bon, automatique cette voiture. Donc, on va couper. Musique. Allez, c'est parti.
couple of raw and selfish dinner. Imported directly from Japan, Kale's passion for high-quality luxury denim is evident in every stitch and seam. Our denim clothes are a blank canvas. Allez hop, c'est parti, on rentre en autoroute sur un petit Subaru, une Plaza. Niveau maniabilité, ça a l'air de plutôt bien aller au niveau de la conduite. On va bien voir ce que ça donne. On va faire ma caisse. Au niveau des dégâts, c'est vraiment bien fait. On va bien réussir à arriver. On va essayer de faire du comme ça, hein. Ouais, on est des fous, nous. Because your eyesight is important, don't settle for anything less than the best. Call the Laser Eye Corrective Center today. Free consultation. Call one of our many locations throughout the bay. We're here to help you. Alors oui, pour visiter aussi un peu les gars, je suis désolé. Il nous faut une ambulance. What the fuck, man? Moi, un mauvais conducteur. Oh, allez, stylé, il y a le train. Bon, c'est la première fois que je vais en ville, les gars. Hein. Je suis jamais allé en ville. Donc, je tiens quand même à vous le dire. Bon, je prends la voie des bus, j'en ai rien à foutre. Je nique la police. Bon, vue intérieure, c'est vraiment dégueulasse. Eh ben, nous voilà, les gars. Attends, on va se garer. On va le troll, lui. Mierda, santo cielo. Attention! Quítate del camino. Qu'est-ce que tu fous? C'est égal, toi. On va se garer en face de façon RP. Non, c'est bien garé de façon RP, les gars. Oh, il y a une seconde planque, les gars. L'autre jour, ma main a ripé. Il y a... Bon, ta gueule. Sur toi, rien, mon frère. Yo, ça te dirait de faire une partie? Eh, hey, mais c'est... Ok, pas de problème. J'ai fait un 12. Ok, rip ta vie, quoi. Et hop.